D'ailleurs, vous pourriez très bien un jour venir nous voir, on sera ravis. Et il était question ce soir de faire tous les troquets avec des slogans. Un peu ce qui se passe à Paris, ce qui est passé à Paris cet après-midi, liberté. Une chanson de Marseillaise revue et corrigée. Mais si vous avez d'autres idées, puisqu'on n'a pas décidé ensemble, on est ouvert à des propositions. Mais il faut que ce soit rapide, qu'on ne passe pas 3 heures à décider de ce qu'on va faire. Dominique, c'est bien ça. Hein. C'est en fait, on a un invité d'honneur. J'ai pas pris les tomates. À la manif l'année dernière contre la réforme des retraites, on avait Vincent, mon petit-fils, en Macron, et Martine en Brigitte. Elle était superbe, mais elle n'est pas là ce soir. C'est dommage. Voilà. Donc, je vous laisse le micro si vous voulez proposer autre chose. Ce qu'on veut ce soir, c'est se faire voir. Il faut que les gens se rendent compte que le silence des pantoufles, ça suffit. Il faut vraiment que les gens bougent. Sinon, dans 9 mois, le pays des flangues. Il n'y a plus personne. Oui, ça c'est la Marseillaise. Le micro, pour proposer quelque chose. Bonsoir, alors moi j'avais trouvé un slogan sur la route en venant, on vient du Gard là, pour venir faire la fête avec vous. C'était « Fichez-nous la paix !» Très bien, bravo. On peut le scander, non ? Bon, bon, alors est-ce que tout le monde est d'accord pour une déambulation dans au Benin, ou est-ce que vous avez des a priori Non, on n'est pas assez nombreux. Pardon ? Si, regarde. Donc nous, de toute façon, on va la faire, la déambulation, donc il y en a qui voudra. Guillotine permanente. Le député Guillotin en la médecine. Très espèce, très malin. C'est la guillotine, c'est la guillotine. Ce soir, elle va être en Emmanuel Macron. En aucun cas, c'est pour provoquer quoi que ce soit, c'est fait pour être amusant et drôle. Donc je sais que ce qu'il a dit hier, c'était horrible. Ce qu'il dit le reste de l'année, c'est horrible, c'est des conneries. Je ne suis pas Emmanuel Macron, donc c'est dur, je préfère me les faire pas. Je ne suis pas sa personne. Voilà, je préfère le préciser parce qu'il est bien entouré. Voilà. Je le dis, je ne suis pas lui, je suis un être humain lambda qui est comme vous en colère. Donc voilà. Et je voudrais rappeler un texte de Victor Hugo qui date de 1871 et qui est vachement trop d'actualité. Faites prince, mutilé, coupé, tranché, volé, annexé et démembré. Vous créez la haine profonde. Vous indignez la conscience universelle. La vengeance se couve. L'explosion sera en raison de l'oppression. Tout ce que la France perdra, la révolution le gagnera. On lâche rien. Macron se gosse en croyant avoir le pouvoir, mais en fait il a le pouvoir qu'on lui donne. Donc en étant conscient de nos droits, en étant conscient des textes de loi au niveau national et au niveau européen qui nous protègent, il ne peut pas faire appliquer ce qu'il décide de vouloir faire appliquer. En ce Parle bien près. Chers amis, nous sommes ici réunis pour faire une petite prière. Alors, chers amis, prions très fort. Père Macron, qui est odieux, que ton nom soit oublié. Que ton quinquennat s'achève, ouais. Que ta volonté cesse en France comme ailleurs, ouais. Épargne-nous aujourd'hui ta connerie quotidienne, ouais. Pardonne-nous notre méfiance comme nous pardonnons à ceux qui t'ont élu, ouais. Et ne nous soumets pas à la tentation de te virer, ouais. Mais délivre-nous de ta
ta présence. Car c'est à toi qu'appartient la médiocrité, l'incompétence et le déshonneur pour les années écoulées et à venir. Amen. Ouais. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Je traverse la rue, je me trouve un emploi. Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français, je vous le dis. En 2022, votez pour moi. Fichez-nous la paix. Fichez-nous la paix. Fichez-nous la paix. La brigade de Tic. Monsieur Castaner, aujourd'hui vos flics sont des gangsters, des tortionnaires qui portent, qui frappent à terre, font pieds et infirmières, incognito sans les rions, en toute impunité, ils fracassent en prenant leurs pieds de braves citoyens. Chez CSS, on se marre bien. Préfet de Paris, à lui c'est le pompon. Le parfait clone de Maurice Papon. Il y a un reflux de sang qui arrive par un... Oui, on le souffle.